Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, chers amis, chers auditeurs, que vous passez, que vous avez passé une agréable journée. Et ce soir, ça va être une belle soirée en perspective, puisque aujourd'hui, nous allons parler trafic de drogue, nous allons parler stupéfiants, nous allons parler cocaïne, héroïne et même fentanyl. Il y en aura pour tout le monde. Et oui, parce que c'est un sujet gravissime, aussi grave, malheureusement, par exemple, que la situation des agriculteurs. Et aussi grave que bien d'autres maux de la société, puisque c'est quand même un fléau qui est en train de tuer notre jeunesse et qui est en train de saper les éléments fondamentaux comme la sécurité, par exemple. Donc il faut qu'on en parle et nous avions été très attentifs aux travaux du mouvement Solidarité et Progrès, représenté ce soir par notre ami et notre invité du soir, Monsieur Karel Verheyen. Karel, comment allez-vous? Je vais mieux que le monde. Donc, tout bien. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? Moi, je vous entends bien, oui. Oui, c'est bon? Oui, Ok. pas de Ok. problème. On va faire un petit test son au cas où. Et je pense que tout est au vert pour qu'on puisse commencer cette émission. Alors, chers auditeurs, on va présenter notre invité du soir, Karel Verheyen. Vous êtes vice-président du mouvement Solidarité et Progrès, que tout le monde a connu depuis de nombreuses années, notamment à travers les actions et les travaux de Jacques Cheminade et de tout un mouvement aux États-Unis autour de Lyndon LaRouche. Et nous avons également aussi le plaisir de lire, pour beaucoup d'entre nous, le journal Nouvelle Solidarité, dont vous êtes le directeur de publication. Voilà, et vous êtes un militant actif depuis des années maintenant, des années. Et moi, j'ai été très agréablement surpris aussi par la qualité, évidemment, de vos interventions, de vos conférences, notamment, et c'est grâce à vous, je vous le dis, que j'ai découvert la French American Foundation à travers votre conférence il y a quelques années déjà de cela. Ça m'avait mis la puce à l'oreille, et également les nombreux travaux de Solidarité et Progrès, notamment sur la question chinoise, des Ouïghours, tout ça aussi, ça m'avait éveillé ma curiosité. Donc un grand merci en tout cas pour tous les travaux qui ont été réalisés par ce mouvement et qui en a réveillé plus d'un, notamment sur la dette. Sur la dette et la question de la finance. Voilà, et cela bien avant tout le monde. Donc enchanté en tout cas de vous accueillir, Karel, ce soir. Et nous allons parler trafic de drogue. Alors, première question, Karel, pourquoi avoir travaillé sur ce sujet-là en particulier et surtout... Comment vous avez découvert le lien avec l'oligarchie bancaire dans tout cela? Alors en fait, bon d'abord, je pense que depuis quelques années, surtout depuis la crise de Covid, en fait, il y a une accélération au niveau mondial de la production de la drogue, notamment parce que le Pérou, la Colombie, ils ont quasiment doublé leur production. Et il y a donc toute une offensive autour de cela qui est pas des moindres, c'est pas rien. Et donc, quelque part, en fait, notre mouvement, surtout depuis 78, donc, où nous avons fait les premières enquêtes sur notamment la banque HSBC, donc on a carrément fait un livre qui fait le point là-dessus, que je vous invite à commander, c'est pas cher, pour 14 euros, vous pouvez commander le livre en allant sur notre page Facebook, vous allez trouver les informations sur les différents sites. Et donc, en fait, notre mouvement, Monsieur Larouche en particulier, donc moi je dis toujours que c'est beaucoup plus qu'un simple économiste, c'est vraiment un penseur, quelqu'un de visionnaire, qui avait très vite compris que, en fait, si vous regardez donc aux États-Unis, donc suite aux assassinats donc des différents présidents, hein, les frères Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, etc., c'est arrivé à un moment où la jeunesse américaine était extrêmement mobilisée donc pour la paix. Vous savez, il y avait des millions de gens dans la rue, hein, contre la guerre au Vietnam. Et tout d'un coup, il y a eu des projets, notamment de la CIA, le fameux projet MK Ultra, dirigé par Alan Dulles, qui était à la tête de la CIA. Il y a un an et demi, donc même, Le Monde a consacré une excellente série,
bon, c'est juste 40 ans après nous, hein, mais documentant comment ça a été. Donc, on a commencé à introduire donc, le LSD dans les campus en Californie, et ça a été véritablement une arme politique, en fait, pour, en fait, détourner les gens, de détruire, en fait, un espèce de je veux dire, un sens du collectif, c'est-à-dire de, non seulement d'être contre la guerre, mais de bâtir, comment bâtir la paix ensemble, parce qu'au même temps, bah, il y avait encore les pays non alignés, c'est un peu les ancêtres des BRICS, vous voyez, il y avait des gens, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint ce mouvement de Larouche, c'est que on réclamait littéralement le droit à tout être humain sur Terre de pouvoir réellement s'épanouir, d'avoir de l'eau, de l'énergie, des transports, un logement, d'avoir de quoi se nourrir et de pleinement pouvoir développer sa créativité et de les mettre au service de la société par un emploi productif. C'est ça le combat, c'est ce que les socialistes au XIXe siècle appelaient la question sociale, qu'on a complètement évacué par la fameuse question purement sociétale, où on se perd, on se bat pour les droits des minorités. Bon, moi je ne suis pas contre les droits des minorités, mais je ne suis pas du tout pour oublier l'essentiel qui était la question sociale, même pour les Victor Hugo et d'autres. C'était l'émancipation, donc l'abolition de l'esclavage, l'éducation, le droit, l'égalité des droits et le développement économique. Et donc, ce que vous voyez dans ces années, la fin des années 60, le début des années 70, vous avez donc tout ce mouvement de la jeunesse américaine et par la suite, après 68, évidemment, en Europe. On a dit non, travailler, c'est pour les cons. Hein. C'est ce que, le vrai but de la vie, c'est prendre son pied, c'est avoir des plaisirs. Et grâce à Huxley, grâce à un peu d'LSD, quelques champignons hallucinogènes, vous allez encore beaucoup plus développer votre créativité et voilà, oublier toutes ces idées-là de changer le monde, ça ne sert à rien, il faut mieux changer les images qu'on a dans la tête. Donc ça a été littéralement une offensive, non pas d'une contre-culture, mais d'une anti-culture pour atomiser les gens et pour amener les gens à leurs impulsions immédiates où en fait on peut les rendre parfaitement manipulables. Donc pour Larouche et pour nous, le projet de la drogue, c'est avant tout un projet culturel pour rendre les gens bêtes et méchants et pour qu'ils ne voient pas plus loin que leur pétard, je dirais. Qu'ils ne voient pas du tout ce qui se passe au-dessus et comment ils se font manœuvrer. Et donc après, petit à petit, donc, alors derrière, il y avait déjà donc cette vision de du libre-échange absolu et total, dans laquelle, en fait, comment dire, par la libéralisation des échanges, on a imposé en même temps une libéralisation des mœurs qui correspondait à la même chose, pour accorder les deux. Alors, ensuite, c'est devenu, évidemment, en 78, le trafic de la drogue au niveau mondial, ça faisait, l'estimation, c'est autour de 200 milliards de dollars. Alors que... Dans les années 70, excuse-moi. Oui, oui. En 78, les estimations officielles de la Drug Enforcement Administration, de la DEA, c'est que, puisque vous savez, on estime le volume d'argent de la drogue en fonction des saisies. C'est-à-dire qu'on dit les saisies, ça représente 10% du total. Donc, à l'époque, on aboutissait à 200 milliards de dollars. Et donc, le travail de Larouche, et c'est là où, évidemment, j'avais dit dans l'autre émission qu'il s'est littéralement inspiré de l'allégorie de la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les ombres qui sont projetées sur le mur. C'est-à-dire que si vous suivez par le bas, si vous suivez le petit dealer, le petit charbonneur, le petit guetteur, le petit dealer du coin, et vous essayez de monter, puisque toutes les pistes sont brouillées à tous les étages, il est impossible d'aboutir au sommet. Donc Larouche, il a complètement inversé en fait l'approche, il a fait une révolution copernicienne dans les méthodes de la police, en disant il ne faut pas partir du bas, mais il faut partir du haut.
partir du haut, ça veut dire même 200 milliards. Aujourd'hui, c'est probablement, selon le FMI, c'est au moins 1 000 milliards qui font partie. Alors, si vous parlez seulement de la drogue, je ne parle pas de l'argent du crime. Si vous parlez de l'argent du crime, vous êtes facilement entre 1 000 et 5 000 milliards de dollars par an. 5 000 milliards de dollars, toutes drogues confondues. Si vous prenez crime, dont drogue, la drogue toute seule, certainement entre 500 et 1 000 milliards aujourd'hui. Alors, hein, la question, c'est une fois que, évidemment, les gens qui achètent la drogue, généralement, ils paient en cash. Donc, comme disait quelqu'un de comment il s'appelle, des services de lutte des administrations, il disait, ça pose pour les trafiquants un problème de logistique. C'est que vous avez tellement de billets que vous n'avez pas où les mettre. Hein. Donc, la question, c'est comment, par différents procédés, on peut en plus détailler par la suite, si vous voulez, comment faire entrer, recycler cet argent dans le système financier. Et donc, Larouche a très vite s'est rendu compte avec les journalistes et les enquêteurs qui ont travaillé à l'époque en 78 avec lui, que les paradis fiscaux sont un élément essentiel dans le blanchiment, évidemment, de l'argent et de la drogue, puisqu'il y a l'anonymat total. Vous avez des îles comme les Bahamas, vous avez deux fois plus de boîtes aux lettres que d'habitants. Alors justement, Karen, excusez-moi, est-ce que vous voulez qu'on s'appuie sur le PowerPoint justement pour montrer justement à nos auditeurs l'ampleur des chiffres, puisqu'on a cité des chiffres et des statistiques? Oui, on peut, attendez. Alors, est-ce que vous voulez d'abord faire un point sur ça, c'est au niveau de la consommation, au niveau mondial. Alors, on peut commencer par le monde et décliner effectivement jusqu'à la France. Nos auditeurs, Alors, voici l'emploi en France. d'accord. Donc ça, c'est les chiffres des Nations Unies. Donc là, vous voyez de 2021 à 2020, de 2011 à 2021, on est passé de 240 millions de consommateurs à 296. Donc c'est une augmentation de plus 23% en 10 ans. On a grosso modo augmenté d'un quart le nombre de consommateurs hein, réguliers. Je ne parle pas des gens qui... Les expérimentateurs, oui, l'expérimentation et l'usage courant, oui, tout à fait. Voilà, par exemple, si vous prenez la cocaïne en France, vous avez plus d'un million de gens qui jouent avec, au moins une fois par an. Et vous avez 600 000 consommateurs réguliers aujourd'hui de la cocaïne. Ce qui est absolument énorme, parce qu'avant, bah, la cocaïne, c'était pour le showbiz, c'était pour les soirées mondaines. C'était Allez-y, pas. oui, voilà. C'était pour les grosses narines. Ensuite, ce que l'ONU appelle les gens qui sont dans un tel état de dépendance qu'ils ont carrément besoin immédiat d'être secourus, on est passé de 27 millions à 39 millions. Donc, c'est une augmentation de 45%. C'est Donc là énorme. aussi, vous voyez que c'est absolument énorme parce que prendre 39 millions de personnes et les prendre en charge pour réellement les désintoxiquer et les réhabiliter, ça va être du costaud. Ensuite, le fentanyl, on peut y revenir après. Oui, parce qu'il faudra qu'on explique à nos auditeurs qu'est-ce que le fentanyl, parce que c'est tout nouveau, ça, hein, Oui. malheureusement. Alors, en France, alors officiellement, donc, officiellement, il y avait 4 000 points de deal. Alors, Darmanin dit qu'il en a réduit 1 000. Mais souvent, il ne les réduit pas parce que la police se plante là-bas et le deal, il se déplace, il va ailleurs. Il se met plus loin. Ou il va. Où il fait par Internet. C'est Il le compliqué. net, en fait, ce que vous voulez dire, Karel, excusez-moi, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, Darmanin, en tout cas, toutes les forces qu'il a mises en place, n'ont pas neutralisé totalement les points de deal, mais les ont fait déplacer, en fait. On Et qu'on a déménage toujours les le points même de qui recommence. Oui. Par exemple, vous avez vu cette semaine, par exemple, vous savez, sur les Bouches-du-Rhône, à Marseille, il y a 91 points de deal.
dans les Bouches-du-Rhône, il y a 127 points de deal. D'accord ? Maintenant, il y en a tellement. Et en fait, il y a tellement, disons, on est dans une nouvelle génération. Avant, la mafia corse ou la mafia de Marseille, ils réglaient ça froidement. C'est-à-dire, s'il y avait de la concurrence, un jour ou l'autre, il y avait un cadavre qui flottait dans le vieux port de Marseille. Et c'était fini. Aujourd'hui, c'est tout le monde contre tout le monde. Et il y a une surproduction. Donc c'est plus des gangs, c'est des clans, c'est des petites familles. Et c'est les uns contre les autres. Donc, par exemple, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de basculer dans le Vaucluse. Vous avez une ville, ils appellent ça une ville, mais c'est un village, Sorgues, dans le Vaucluse, à côté d'Avignon. Il y a 18 000 habitants. C'est devenu un énorme point de deal aujourd'hui. Donc, avant, on disait la drogue en France égale Marseille. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est Alençon, c'est Valence, c'est Nîmes. Les villes moyennes, vous voulez dire, Karel. En fait, on a quitté les grosses métropoles pour arriver dans les villes moyennes de 50 000 habitants. Quoi. D'abord parce qu'il y a une présence, il y a quand même depuis 2020, avec la création de l'OFAST, il y a une meilleure coordination des polices qui est réelle en France, et ça, c'est une bonne chose. Et donc, du coup, on est passé des métropoles d'abord à des choses qui se faisaient dans les appartements de banlieue. Et maintenant, c'est carrément délocalisé. Alençon, grand lieu du trafic de drogue. Et après, puisque les gens qui font le trafic, ils s'endettent, ils empruntent, ils perdent, ils gagnent, ils vont se tuer les uns les autres parce que le gars n'a pas payé au moment où il fallait payer, ou parce qu'il y a un autre dealer qui s'est installé à la place du premier et que c'est insupportable. Et c'est là où, moi j'ai un certain doute sur le chiffre officiel. Le chiffre officiel en France, c'est que la drogue aujourd'hui, c'est entre 3 milliards et 4 milliards par an. Ça, c'est les chiffres officiels. Maintenant, les chiffres officiels, Karel, si je peux me permettre, hein, si vous me le permettez, on a l'OFDT, en fait, ici, hein, donc l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui sont à peu près quasi similaires aux chiffres que vous donnez ici. Donc, je pense qu'on n'est pas loin, effectivement, de 4 milliards d'euros par an. Moi, je conteste ces chiffres. Parce que, par ailleurs, ce qu'on dit partout, et ce qu'a dit Madame Cherbonnier de l'OFAST, c'est que un bon point de deal à Marseille peut rapporter entre 70 000 et 80 000 euros par jour. D'accord ? Donc, si je prends 4 000 points de deal, disons, allez, on va dire à 70 000, le chiffre bas, si tout le monde est aussi bon que les bons points de deal à Marseille, on arrive à 102 milliards pour la France. D'accord ? 102 milliards. Oui, c'est-à-dire que vous avez, si vous prenez 4 000 fois 70 000, d'accord ? Vous avez 280 millions par jour au niveau français. Fois 365, vous êtes à 102 milliards par an. En termes de... Si tout le monde était aussi rentable que les points de deal à Marseille. C'est pas net d'impôts, évidemment. Je ne veux pas rigoler là-dessus, mais même, j'ai fait mes calculs. Même si c'est 100... Il y a un autre article qui disait c'est entre 12 000 et... comment il disait ? Entre 12 et 20 000 par jour, un bon point de deal. Oui, oui. Moi, ayant travaillé de nombreuses années avec des toxicomanes, je peux confirmer qu'effectivement, on est dans c'est même plus, je pense, même pour un petit point de deal d'une petite ville de 5-10 000 habitants, parce qu'il ne faut pas oublier non plus le rurbain. Et c'est-à-dire, en fait, les petites villes autour de où la ruralité est vraiment, vraiment ancrée dedans, du style les alentours de Montargis dans le Loiret ou les alentours de Creil, on peut prendre des villes comme ça, vous voyez, ou même des petites villes, des petites villes de 10, 15 000 habitants. C'est affolant. Alors, Karel, je me permets de vous poser une question. Quand vous mentionnez le chiffre
là, ici, sur le PowerPoint, de 250 000 personnes en vivent. Comment on analyse ça, les 250 000 personnes? Les petites mains, les gros réseaux? Oui, c'est-à-dire ça, ça comprend. Attends, juste pour finir, parce que sur le chiffre, oui. Moi, j'ai fait les calculs. Donc, ultra bas, avec 12 000 par point de deal par jour, on arrive quand même à 17 milliards. On n'est pas à 4 milliards, on est à 17 milliards. Si le point de deal fait 12 000 par jour, alors évidemment, ça dépend des drogues vendues. Parce qu'évidemment, sur le cannabis, on gagne très peu, on gagne assez peu, alors que la cocaïne, on gagne beaucoup plus, et les autres produits synthétiques, on gagne encore beaucoup plus. Donc, ça dépend aussi donc, des produits vendus. Donc, je ne peux pas... En tout cas, j'ai un peu l'impression qu'il y a une... On est en train de sous-évaluer, en train de rassurer les gens avec des chiffres qui sont déjà énormes, mais qui en fait sont, à mon avis, sous la réalité. Voilà. Alors, 250 000 personnes, donc c'est l'OFAST qui dit 240 000, c'est ce que j'ai vu encore aujourd'hui, mais ça veut dire qu'ils en vivent, bah, c'est tout l'écosystème autour, c'est-à-dire... Bah, vous avez des gens qui vont collecter les fonds, qui partent de Paris en voiture, qui font la vallée du Rhône, qui vont à Valence ramasser les billets, qui après finissent en Espagne, etc. Donc, ça fait, disons, il y a le gros bonnet et après, il y a toute la pyramide derrière. Donc, ça, c'est. Alors, eux, ils disent que ça fait 21 000 emplois à temps plein, si on le met en. C'est leur calcul. Je ne sais pas comment ils font leur calcul, mais bon. Ben, c'est vrai que nous, on le voit dans la jeunesse. Si à 13-14 ans, tu commences par faire le chouf, le guetteur, effectivement, pour prévenir, prévenir les dealers de l'arrivée des forces de l'ordre, ou bien si tu es nourrice, ou même les charbonneurs, hein, qui sont les plus mal payés dans l'histoire, j'ai vu de mes propres yeux des gamins de 13-14 ans occuper ces postes-là. C'est extrêmement grave. Ça explique une grosse partie de la déscolarisation de nos jeunes, et notamment dans certains quartiers, et qui exprime aussi une totale absence et un total déni de la vie professionnelle, de gagner licitement sa vie, légalement sa vie, devenir artisan, avoir une bonne orientation professionnelle ou scolaire. Ceci explique cela en grande partie, effectivement. Oui, en plus, payer des clopinettes pour des journées, mais d'une longueur... pour des journées extrêmement longues. C'est un autre mythe, à mon avis, qu'il faut démolir, parce que certains diront, oui, mais la drogue, c'est mauvais, mais il y a des quartiers, ça leur fait vivre. C'est pas vrai. Ça ne leur fait pas vivre du tout. Même au niveau international, vous savez, on a des femmes enceintes en Équateur, elles sont enceintes, elles sont dans la misère la plus lamentable, elles vont avaler des ovules de cocaïne pour 3000 euros pour faire le voyage en Europe, transportant dans leurs intestins des ovules de cocaïne. Donc c'est un système où la dignité humaine n'est pas vraiment la règle, hein. C'est même le contraire. On est dans une barbarie, une forme de barbarie qui gagne. Je ne sais pas s'il faut dire deux mots sur ce qui s'est passé là depuis le mois de janvier en Équateur. Oui, 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 il faut. Mais c'est quand même de nouveau un pays, c'était encore il y a 2 ans présenté comme un havre de paix absolue. En réalité, il y avait déjà pas mal de trafic qui passait, mais qui ne dérangeait pas localement la situation. C'est aussi parce qu'une partie des FARC colombiens, quand il y a eu donc les différents conflits en Colombie ont fait qu'une partie des FARC ont commencé à travailler en Équateur. Et en fait, l'Équateur est un peu, comment dire, un centre de logistique. C'est-à-dire que la cocaïne, surtout produite en Colombie et au Pérou, elle est transformée là-bas, empaquetée, envoyée ensuite en Amérique centrale, aux États-Unis, en Europe. Et ça part de l'Équateur, en fait. Donc là, ils ont, l'année dernière, donc ils ont assassiné. Donc, c'est aussi un lieu où donc vous avez les gangs mexicains, les cartels mexicains
Sinaloa et l'autre, en fait, ils se font la guerre entre eux, mais en Équateur, pour le marché. Pour le marché, et pour avoir le meilleur deal possible avec les Colombiens. Et donc, ils ont liquidé deux candidats à la présidentielle. Ah Ils oui, ont. candidat à la présidentielle, vraiment. Oui. Ben, il Et y en quelque a part, un qui dit, il y en a un qui a dit, excusez-moi. si j'arrive, je vais faire la guerre à la drogue. Ils sont allés le voir, disant, mon gars, si tu continues à répéter ça, ça va mal finir. Et Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Karel, sur ce que pourrait devenir la France, justement, à ce niveau-là? Est-ce qu'en France, les réseaux de deal pourraient copier un peu le modèle sud-américain? Et en arriver à menacer directement des hommes politiques, des enlèvements ou des choses comme on a pu voir aux Pays-Bas, par exemple. Ben oui, c'est quand même, quand on voit même la Belgique, moi je suis d'origine belge, je connais maintenant des gens dans ma famille, ils se prennent des balles dans la façade, parce que la loi, c'est où tu travailles, où tu. Vous savez, un docker du port d'Anvers, on va lui dire, là il y a un conteneur, là il y a ton camion, tu prends le conteneur et tu le mets sur un autre quai. Voilà, en échange, tu touches 20 000 euros. Voilà. Mais donc, tant que tu te tais, t'exécutes, tu touches, mais tu commences à en parler, t'es mort. Donc, le principe de la mafia, la mocro-mafia. La question, c'est que les Pays-Bas, c'est un peu ce qui s'est passé avec la French Connection. En fait, c'est une conjugaison de cartels. C'est d'un côté les gens qui avaient les coffee shops aux Pays-Bas, qui ont fait énormément d'argent avec la schiste. Après, ils ont réinvesti dans la cocaïne et dans les drogues beaucoup plus fortes et beaucoup plus rentables, parce que c'est la logique du marché. Et ils se sont mis en cartel avec les Marocains, avec les Italiens. Donc, comment dire, c'est un cartel de cartels. Ils sont généralement à Dubaï. Là, il y en a un qu'on vient de choper là, la semaine dernière en Espagne. Une des têtes de la Mocromafia, parce qu'ils sont dans les villes balnéaires d'Espagne ou à Dubaï. Ils sont D'accord. pas là, ils sont pas. La belle vie, quoi. Oui, la belle vie, oui. Marbella ou Dubaï, quoi. Et quand on regarde, j'ai revu là l'histoire de la French Connection, qui était en fait, il y a eu en fait dans les années 70, il y avait énormément de production de pavots d'opium en fait en Turquie. Et en fait, c'était raffiné autour de Marseille et ensuite renvoyé aux États-Unis. Ce qui fait qu'en 70, en fait, 70% des drogués américains, en fait, consommaient de l'héroïne qui venait de France. Mais c'était pas seulement les Corses, mais c'était, comment dire, c'était les Corses, c'était les Marseillais, mais c'était aussi la Cosa Nostra, c'était les Italiens aussi. Donc après, les Américains ont dit, ouais, les salopards de Français, etc. Alors que c'est sous pression américaine, par exemple, sous Irving Brown, qui travaillait donc aussi pour la CIA, qui était le grand chef des syndicats américains, qui devait lutter contre la CGT et le communisme, en fait, on a viré la CGT du port de Marseille, et on a donné à la mafia. Et la mafia, évidemment, a fait venir la drogue. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Peut-être la CGT, c'est pas toujours confortable, je veux bien le concevoir, mais si on donne le port de Marseille à la mafia pour des raisons géopolitiques, parce qu'on veut pas du tout que les communistes puissent contrôler des infrastructures essentielles en France, après on a des conséquences. L'Amérique du Sud, c'est pareil, on a les méthodes du FMI, la Banque mondiale, on leur a dit coupez vos budgets. N'investissez plus dans l'éducation, les hôpitaux, ça sert à rien. Ne faites pas de route, ne faites pas de canaux. Donc, qu'est-ce que vous croyez que les gens vont faire pour survivre si à côté, ils voient fleurir tous ces trafics? Donc, il faut assécher le marais, il faut détruire le terrain sur lequel peut prospérer tout ce qui est notamment la pauvreté. Parce que sinon, effectivement, moi, j'aurais jamais cru que la Belgique pouvait devenir un narco-État. Vous voyez, vous avez quand même le siège de la Commission européenne, de l'OTAN, et vous avez en Belgique le ministre Van Quickenborn. Un jour, il revient des États-Unis. Non, il a été en Colombie, discuter avec les Colombiens de la lutte contre la drogue.
Le ministre de la Justice rentre à Bruxelles. La police belge lui dit, monsieur le ministre, on va vous prendre, vous, votre femme et vos enfants, et pendant 3 mois, on va vous enfermer dans un bunker parce qu'on ne peut pas garantir votre sécurité. D'accord ? Ah oui, d'accord. D'accord. Officiellement, on lui dit ça à lui et sa famille, en tant que ministre, normal, dans un bunker. Oui. Aux Pays-Bas, c'était une des princesses de la famille royale qui est une jeune qui allait en vélo de La Haye à Amsterdam pour aller à la fac. Il y avait un projet pour enlever le Premier ministre aux Pays-Bas. Alors, Karel, si je peux me permettre, là, vous mentionnez le cas belge des Pays-Bas, mais en France, pour revenir sur la France, parce que toujours pour commenter ce qu'on voit là, c'est quand même, moi j'hallucine depuis tout à l'heure, 21% de la mortalité routière due à l'usage de drogue, ou alors 51% sous influence de drogue et d'alcool. Alors l'alcool, je ne suis pas étonné, mais l'influence de la drogue, effectivement, j'ai l'impression que ça monte d'année en année en termes de féminicide. Et on parle de tueurs à gages à partir de 500 euros. Ça me rappelle effectivement le petit gamin qui s'appelait, alors je ne sais plus le nom, c'était un Dylan ou quelque chose comme ça, qui lui était, il avait 17 ans, il n'était même pas majeur. Hein, et il venait à peine, pardon, d'être majeur. Et Mathéo. Et il disait normal, mais vraiment très froidement, que sans problème, quoi, il acceptait une petite somme de, alors qui était plus importante que les 500 euros, mais je veux bien croire qu'aujourd'hui, pour pas grand-chose, on peut régler des comptes. Hein. Voilà, ça c'est effectivement, on l'observe un peu partout maintenant. C'est d'une tristesse. Oui, parce que quelque part, on a positivé, l'image du crime a été positivée. C'est-à-dire que, au début, on ne sait pas très bien, mais on peut quand même gagner pas mal. Quoi. C'est-à-dire c'est devenu, comment dire, les paramètres de ce qui est acceptable, plus toute une culture de la violence gratuite. Vous prenez alors les jeux vidéo. Moi, vous savez, dans Shakespeare, il y a plein de violence, mais c'est pas une violence illégitime. C'est un vrai drame, c'est un vrai crime. Les jeux vidéo nous habituent à une violence totalement gratuite et virtuelle. Où à la fin, on meurt, on appuie sur le bouton et on peut renaître. Et donc, il y a énormément de gens qui ont du mal à ne pas confondre le monde réel avec le monde virtuel. Donc, il y a tout un environnement culturel où une désinhibition, où le passage à l'acte, en fait, est beaucoup plus facile. C'est ça que je veux dire. C'est pas automatique, hein, mais il faut le surveiller. Ça rappelle l'histoire de GTA, le fameux jeu GTA qui a évolué d'année en année et qui a été de pire en pire comme mauvais exemple pour nos jeunes, pour notre jeunesse, hein, où il n'y a plus de limite à la violence dans ce jeu, quoi. Absolument. Ou les jeux comme Mafia Heroes en ligne, en passant par des. On peut jouer sur son smartphone, etc., ou en étant des apprentis et dealers, et puis on monte les strates, on devient mafieux style Scarface, ça se répand partout, quoi, et c'est extrêmement grave. En tout cas, voilà, ça fait froid dans le dos, les chiffres que vous mettez ici, là, sur le PowerPoint, quand même. Non, c'est pour ça que je, tout en étant optimiste de nature, en fait, on peut quand même avoir une grande crainte que le fentanyl peut vraiment arriver. En disant, il y a déjà tout un environnement qui rend la France une cible idéale pour y introduire encore des drogues encore pires. Et donc. Alors pour le fentanyl, on peut peut-être voir justement le prochain PowerPoint parce que il faut que les Français et les auditeurs là qui nous écoutent sachent ce qu'est le fentanyl. Alors le fentanyl. Pour faire bref, c'est aussi donc surnommé. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les gens consomment non pas une drogue, ils font énormément de mélanges. Par exemple, aux États-Unis, on mélange la cocaïne, l'héroïne et le fentanyl pour avoir le speedball. Alors là, vous voyez des gens, en fait, à l'origine, c'est un médicament, en fait. C'est un médicament, donc c'est pas produit à partir de l'opium,
c'est purement chimique. C'était comment dire, quelque chose pour réduire la douleur. Et c'est toujours utilisé dans la médecine d'urgence sous forme de patch, avec des doses extrêmement petites pour des gens qui souffrent d'extrême douleur. Donc là, vous avez des gens qui ont, disons, ça relaxe tellement, vous voyez, les gens s'effondrent, là, comme des fleurs cassées, je ne sais pas comment le décrire. On a l'impression de voir la série Walking Dead, là. Oui, vraiment. C'est le côté zombie, c'est pour ça qu'on parle de la drogue des zombies. Alors, j'ai vu, il y a quelques jours, il y a une vidéo qui tourne d'un gars à Paris. Hein. Donc, il y a eu des saisies. Pour l'instant, il n'y a eu que 10 morts de fentanyl en France. Mais donc, aux États-Unis, donc, ça fait des ravages absolument énormes. D'abord, parce que c'est une concentration, le fentanyl, il est entre 30 et 100 fois plus puissant que l'héroïne, par quantité donnée. Vous voyez, là, vous voyez une pièce d'un cent américain, donc ça fait 18 mm hein, de diamètre. Et là, vous voyez la poudre, là. Vous prenez cette poudre-là, vous êtes mort. C'est déjà la surdose. La petite dose de poudre qu'on voit à droite de la petite pièce, ça oui. Vous tue. Ça vous tue. Voilà. Oui, d'accord. Donc là, il y avait des gens dans les pays baltes, la police avait saisi 5 kilos de fentanyl. Ils ont fait les calculs, ils disent voilà, avec ça, on peut tuer 2,5 millions de personnes. Voilà. Puisque. Avec seulement 5 kilos. Voilà. Alors, le fentanyl, donc, ça a explosé donc, à partir de 2005. Donc là, vous voyez, actuellement, donc, aux États-Unis, on est à 110 000 morts entre mars 2020. Mars 2021 et mars 2022. Il y a eu 110 000 morts par overdose. Au point où ceux qui se plaignent le plus du fentanyl, c'est les dealers. Parce qu'ils disent, ce machin, ça tue tous mes clients. Ah oui, d'accord. Eux-mêmes, ils se plaignent du... Alors, si même les dealers se plaignent de ça, là, c'est... Ah oui, parce que quelqu'un d'accord. qui prend l'héroïne, on peut, pendant 40 ans, le avoir comme client. Là, ça, c'est... Là, c'est encore pire, donc c'est dans le comté, un comté dans Californie, le comté de Los Angeles. Voilà, entre 2015 et 2020, augmentation de quasiment de 4000% le nombre de morts. Voilà, donc ça fait quand même, y compris Biden et Blinken, en fait, est même venu en Europe. Quand il est venu la dernière fois en Europe, il a mis en garde les gouvernements européens contre le fentanyl. Parce que pour Biden, pour se faire réélire, c'est quand même pas vraiment un bilan très, très... c'est pas très intéressant comme bilan. Surtout qu'en face, si Trump se présente comme l'homme qui va faire un mur, empêcher que les Mexicains viennent introduire la drogue aux États-Unis, évidemment, ça crée un environnement qui sera exploité par les uns et par les autres. Voilà. Donc... ce que je vous ai dit là, mars 2022-2023, 110 000 morts, ça fait plus de morts que tous les morts américains pendant les guerres de Vietnam, de l'Irak et de l'Afghanistan. Les soldats américains, évidemment, pas les civils. Oui. Non, pas les enfants irakiens, non. Voilà, pas les enfants. Les soldats américains, donc en poste et sur les théâtres d'opération, voilà, sont 110 360 morts, effectivement. Alors, donc ça, c'est le quartier général de la DEA. Ils ont fait un mur du fentanyl. Ils ont mis des photos des 110 000 morts au mur. Et ils amènent les députés, les membres du Congrès sont amenés au siège de la DEA pour voir le mur. Parce que jusqu'à maintenant, si vous dites 110 000 morts, c'est un chiffre. On oublie que c'est des enfants, des filles, des garçons, des parents, ta sœur, ton frère, des gens que tu as connus. Voilà, donc alors pour l'instant, c'est le danger que ça débarque, c'est déjà débarqué. Alors, il y a l'autre drogue qui débarque surtout à Londres, c'est la kétamine, qui était aussi un produit qu'on utilisait pour les chevaux, pour endormir les chevaux. Mmh. Voilà, donc
Donc là, vous voyez, là, c'est en France. Donc ça, c'était en 2022. 2022, oui. Ce médicament, fentanyl, 100 fois plus puissant que l'héroïne, a été saisi le 11 août 2022 au péage de Castets dans les Landes. À Dax. Voilà. Alors, la production, donc essentiellement, donc c'est le, c'est, ça se fait donc à partir du Mexique. Là, vous voyez les comprimés. Et c'est essentiellement donc le cartel de Sinaloa. Alors, eux, avant, c'était surtout la cocaïne, hein. Alors, ce qui est très malin, c'est des gens très intelligents, parce qu'ils ont arrêté donc un de leurs patrons, El Chapo, qui est en prison. Et donc, ils ont changé leur structure interne. C'est-à-dire que maintenant, c'est à peu près 3000 personnes, mais c'est des clans de 30 à 40 personnes. Et chaque clan s'occupe de tout. Ils organisent la production, ils vont acheter donc les produits, les précurseurs, ils les amènent, ils produisent, après ils organisent la vente aux États-Unis, ils s'occupent du blanchiment. Donc si vous arrêtez un clan de 30 personnes, ça fait rien, ça change rien, parce que il y a 15 clans derrière qui font la même chose. Donc, Ça sème le trouble, effectivement, pour les enquêteurs, parce que ouais, si c'est à chaque fois très un compliqué. cartel, il y a un autre cartel derrière qui est une fédération d'autres cartels, ouais, on s'en sort plus, quoi. Et ça, c'est l'autre cartel qui est en face, Los Zetas, et il y en a encore un d'autres. Alors après, vous avez des sous-cartels, des gens qui, vous avez des gens, des seconds des cartels qui se révoltent contre les premiers du cartel. Mais il y a un cartel où, pour en faire partie, vous commencez par une séance de cannibalisme Ah pour oui. devenir membre du cartel. Ah d'accord. Bah là, on a. Oui, c'est Satan sur pattes, quoi. En gros, c'est. Oui. D'accord. C'est le rite de passage. C'est le rite de passage. C'est comme les. Vous savez, certains SS, au début, pendant 6 mois, 1 an, vous êtes formé avec un berger allemand, qui est votre chien qui va travailler avec vous. Et après 1 an de service, on demandait au SS d'égorger son chien pour démontrer qu'il était au-delà, qu'il pouvait vraiment agir pour la cause sans tenir compte de ses sentiments personnels par D'accord. rapport Là, ça à va la vie. encore plus loin, ça va encore plus loin que les SS, puisque là, il faut carrément manger de l'humain, quoi. Oui. On a un Et niveau de aussi, donc, sauvagerie. les Colombiens qu'on a trouvés aux Pays-Bas, par exemple, ils ont amené un conteneur qui était aménagé comme une salle de torture, avec un siège de dentiste, avec des outils pour torturer les gens qui se mettent à trop parler, etc. Donc, c'est pas. C'est une descente dans la barbarie. Alors. Là, ça devient intéressant parce qu'on touche la question financière. C'est que la Chine a produit énormément de fentanyl, des précurseurs du fentanyl dans le cadre légal, parce que c'est un médicament. Et donc, on est en train d'accuser massivement la Chine. Bon, ça commence à bouger, hein. Mais les gens du cartel mexicain, ils vont en Chine faire leur shopping. Donc là, ça, c'est des gens qui sont des geeks des crypto-monnaies, qui eux-mêmes disent, pour la période étudiée, donc entre 2021 et 2023, il y a à peu près 27 millions de dollars qui ont été utilisés, qui ont été payés par crypto-monnaies privées pour acheter en Chine les produits précurseurs pour le fentanyl. Pourquoi les crypto-monnaies privées? Parce qu'évidemment, il y a l'anonymat. Et si la mafia cherche une chose, c'est l'anonymat. C'est d'ailleurs aussi le cas de l'Équateur, qui, comme vous le savez, est dollarisé. C'est-à-dire, ils n'ont pas de monnaie nationale à l'Équateur. Leur monnaie, c'est le dollar. Donc, si vous vendez la drogue aux États-Unis, vous l'envoyez directement en Équateur, et c'est une monnaie immédiatement utilisable. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Alors, pour vous donner donc une idée de la rentabilité financière et l'attrait donc pour
Disons, il y a un procureur belge qui dit la vraie drogue, c'est l'argent. Hein. Là, Karel, excusez-moi de vous interrompre, mais là, ce n'est pas une erreur de ma part quand je vois 35 200% de profit. Oui, quand vous allez du Réel. Producteur jusqu'au consommateur. Ah oui, d'accord. 35. Ah bon, bon. Il n'y a aucune multinationale au monde qui fait. Les Mexicains vont en Chine, ils achètent un kilo de précurseurs qui leur coûte 17 000 dollars. Avec ça, ils peuvent fabriquer 400 à 500 000 cachets, des pastilles, qui vont vendre 1 dollar pièce. Donc, ils dépensent 17 000 dollars et ils ramassent 400 000. D'accord? Ça fait déjà un profit de 2350%. Déjà pas mal. Donc, mais eux, ils vendent aux dealers. C'est les dealers qui achètent la pastille pour 1 dollar et qui le revendent pour 15 à 30 dollars aux consommateurs. Donc, si lui, il achète donc, le fameux kilo, qui coûtait 17 000 dollars au début, finalement, transformé en pastille de fentanyl, ça ramasse 6 à 12 millions de dollars. Vous voyez? C'est là où vous voyez un profit de 35 000%. Donc, c'est absolument hallucinant et c'est un argent un fric de dingue, comme dirait l'autre. On comprend mieux pourquoi ça doit faire de beaucoup d'envieux et surtout, ça intéresse sûrement beaucoup de gens très haut placés. Quand on fait 35 000% d'augmentation de chiffre d'affaires, il n'y a aucune multinationale, aucun secteur d'activité, même l'énergie, je crois, ne fait pas ça. Là, c'est clair. Non. Je sais pas. Vous avez des questions ou vous voulez qu'on lance? Il y en a plein, Karel, si je peux me permettre. La première question, oui, concernant c'est ce que j'ai vu juste avant, c'est assez hallucinant. Évidemment, on n'ose même pas imaginer les conséquences que ça pourrait avoir sur la France si ça arrive massivement. Quand j'ai vu l'état là, des trois femmes que vous avez montrées sur le PowerPoint et que nos auditeurs ont tous vu, l'état de zombification avancée, j'imagine à Porte de la Chapelle ce que ça pourrait donner. J'imagine dans certains endroits, à Saint-Ouen, dans le 93, ou même dans le bois de Vincennes, j'ai envie de dire. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et alors et les conséquences également sur les vocations. Parce qu'avec un tel taux de profit, comment un jeune aujourd'hui pourrait être intéressé par les études s'il se dit que finalement j'arrête l'école, je vais me lancer là-dedans dans le fentanyl et que pour peu je peux revendre à 15 ou 30 euros l'unité alors que je l'aurais acheté 1 euro? C'est flippant. Oui, oui. Et donc la question, pour arriver à la question, est-ce que vous avez des éléments, Karel, de l'arrivée ou quelle est la situation du fentanyl en France actuellement? Alors, moi je pense que c'est en train d'arriver lentement et sûrement, et que pour l'instant, je pense que le gouvernement a choisi de ne pas trop en parler, justement pour ne pas faire. Parce que le point que vous soulevez, à la limite, ça me met mal à l'aise. Parce que, évidemment, en parler, ça veut dire quasiment faire malgré tout. Sans le vouloir, on peut croire qu'on fait de la publicité, en fait, pour le fentanyl. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais je ne suis pas comme ça. Je pense qu'il faut voir. Je pense que la meilleure façon de ne pas finir dans l'enfer, c'est de regarder en face. Regarder la réalité en face. Et que plutôt que d'attendre et de que ça nous tombe dessus, le moment sera trop tard. C'est ça la question. Parce que là, il faut agir en amont. Et puisque agir en amont, ça veut dire frapper le blanchiment. C'est une chose que pour l'instant, j'ai pas vu trop de volonté de nos gouvernements pour s'y risquer. On préfère faire la politique de l'autruche, regarder ailleurs. Et même, on a trouvé un antidote pour empêcher les gens de mourir, ceux qui sont en train de mourir du fentanyl. Et ils ont même travaillé sur un vaccin. C'est-à-dire, ils sont par un traitement monoclonal.
en fait, qui dure à peu près 3 semaines, 1 mois. Moi, je suis pour, hein, si on peut sauver des vies, il faut les sauver. Mais évidemment, si vous avez des milliers de gens là-dedans, en plus, ça va engorger des services. Déjà aujourd'hui, l'hôpital est en train de craquer de partout. On a des gens qui meurent dans les couloirs des urgences parce que il n'y a plus personne pour les recevoir, il n'y a plus de médecins, on est complètement en train de détruire les services publics. Donc si vous rajoutez ce fardeau-là, ça aussi, vous savez, le prix, c'est pas juste. Vous avez raison, hein, ça va détruire des gens, mais ça va aussi plomber notre système de santé. Et donc même les gens qui se droguent pas vont subir les conséquences quelque part. Ah oui. Alors, Donc, si je peux donner une anecdote, Karel, si vous me permettez, si je peux dire une anecdote, j'ai observé depuis l'année dernière déjà, ça m'arrivait de temps à autre de passer très tardivement dans certains quartiers à Paris, et j'ai vu de mes propres yeux des gens se conduire comme des zombies. Donc j'imagine qu'il y a très forte chance qu'ils aient consommé du fentanyl dans le 18e, Stalingrad dans le 19e. Habillés, quasiment pas habillés, tout délabrés. Pour la plupart, c'était des migrants, mais aussi également des Européens de souche, clairement. Et oui. c'est flippant, ça fait vraiment peur. Donc moi, j'avais pensé, effectivement, là, je me remémore là, ce que j'avais vu, je me dis qu'effectivement, c'est peut-être le fentanyl. Bon, on sait que le 19e, effectivement, c'est connu pour le crack, ça, depuis plus de 40 ans maintenant, sur Stalingrad. Et pareil à Porte de la Chapelle au niveau de la fameuse colline. Mais quand vous êtes des consommateurs de crack depuis 20, 10, 15, 20 ans, vous n'avez pas ces attitudes-là. Effectivement, vous avez, voilà, c'est compliqué au niveau du visage qui change, du corps qui change et tout. Mais de là à effectivement avoir le corps qui se tord carrément à limite à 90 degrés, ça, c'est pas le crack. Donc effectivement, ça fait peur. Ça fait Il y a peur. le trank, il y a le trank aussi qui fait ça, qui est aussi un mélange d'un autre médicament pour les animaux. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais c'est les drogues synthétiques, hein, qui sont très très faciles, très très peu onéreux à produire, très faciles à transporter, très très puissants et très faciles à cacher, etc. etc. Donc, voilà. Donc ça pose évidemment la question, vu les sommes d'argent dont on parle, donc l'hypothèse dont j'ai parlé au début, donc au lieu de juste regarder ce qu'on a devant le nez, c'est qu'on se dit, OK, je prends 100 milliards de dollars en cash. Comment est-ce que je le recycle dans le système bancaire? Ça, c'est la question intéressante à poser. Et ça, donc Monsieur Larouche, qui avait posé donc cette question. J'ai peut-être sa photo d'ailleurs. Tac. Après. Oui. Donc Lino Larouche, qui et donc l'étude qu'on avait faite donc à l'époque, qui s'appelait Doping, Camessa, la guerre de l'opium britannique contre le monde. Et donc lui s'est posé la question sur comment est-ce que cet argent est recyclé. Et donc ça, vous pouvez le lire, c'est très détaillé dans le livre que je vous recommande. Quel est son comment et comment cacher cet argent? Attends, je vais essayer de vous lire un extrait. Oups. Alors, il partait de ce qu'on appelle l'hypothèse supérieure. Cette hypothèse part du constat que toute tentative de remonter les filières en partant du bas ne peut qu'échouer, tant les pistes reliant consommateurs, dealers, trafiquants, grossistes, circuits financiers et sociétés écrans se perdent dans des sables mouvants. L'argent de la drogue peut parfois faire plus de 40 fois le tour de la planète en quelques heures. Par un enchaînement de faux nez, les recettes surgonflées d'un casino, d'un stade de foot ou d'une pizzeria n'auront aucune peine à se transformer en vente de tableaux d'art moderne. Et avec les crypto-monnaies et Internet, les choses se compliquent encore. L'hypothèse de Larouche,
Oui. Alors, Larouche part de cinq constats. D'abord, le même jour, à la même heure, le prix du gramme d'héroïne, qui était à l'époque la drogue de référence, quasiment le même dans des villes séparées par des grandes distances. New York, Londres, Tokyo, Berlin, Ankara ou Paris. Le prix de la drogue, il est identique. Ce qui montre que c'est un marché centralisé, organisé à partir du sommet. Les douanes interceptent 10% de la totalité, bon, ça on l'a déjà vu. Et ensuite, la seule infrastructure bancaire ayant la taille et les capacités de dissimuler et de blanchir de telles sommes, c'est la myriade de paradis fiscaux où les comptes numérotés et anonymes et le principe des holdings permettent d'anonymiser un maximum de transactions. Or, en 78, l'immense majorité de ces paradis fiscaux sont des territoires d'outre-mer du Commonwealth britannique et des dépendances de la couronne britannique, excepté le Panama à l'époque. L'institution qui domine de loin les paradis fiscaux est indubitablement le géant bancaire, donc HSBC, qui veut dire la Banque de Hong Kong et de Shanghai, qui a été fondée à Hong Kong en 1864, après la victoire des Anglais, des Français et des Américains sur la Chine lors de la deuxième guerre de l'opium. Parce que les Chinois donc voulaient arrêter l'opium. Les Anglais ont cultivé l'opium en Inde, ils ont produit de l'opium en Inde pour aller droguer les Chinois, pour pouvoir les coloniser avec l'opium. Et ça a fini dans deux guerres que les Chinois ont perdues. Et à la fin de ces deux guerres, on a créé Hong Kong, avec au centre cette banque, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. D'accord. C'est intéressant l'historique de la HSBC. On en apprend des choses là. Sous Oui. le dos des Chinois et de leur défaite à la guerre de l'opium. Guerre de l'opium, c'est. Oui. HSBC avait pour but de continuer à financer la production de transformation et le trafic d'opium, qui était légal jusqu'aux années 1930. Vous trouvez les archives de l'Empire britannique jusqu'à 1930 donnent les revenus officiels de l'opium pour l'Empire britannique. Donc c'était pas caché. HSBC est donc à examiner de près, puisque son histoire coïncide avec celle du narcotrafic. En 1978, donc à l'époque où Larouche écrivait son étude, HSBC était truffé de descendants directs des grandes familles écossaises et britanniques et des groupements d'intérêts ayant organisé les guerres de l'opium. Donc, après des années et des années après, donc c'est Jardine and Matheson. Peninsular and Oriental Steamship Lines. Les Anglais avaient créé une ligne de transport maritime. P&O, P&O. Ça existe encore d'ailleurs. La famille Keswick, etc., etc. Avec d'autres représentants de l'élite britannique et des responsables bancaires actifs dans les paradis fiscaux, ces responsables d'HSBC siègent aux meilleures places du Royal Institute for International Affairs, le prestigieux think tank mieux connu sous le nom de Chatham House, La fameuse Chatham House, effectivement. l'endroit où se font les conférences officielles du ministère des Affaires étrangères. Le RIIA n'est autre que le nouveau nom donné en 1920 à la société secrète, les Round Tables, les tables rondes, Round tables, oui. un cercle animé par des géopoliticiens coloniaux comme Cecil Rhodes ou Lord Milner, décider, élaborer et imposer au monde des stratégies plus ou moins secrètes garantissant l'expansion et la survie de l'empire colonial britannique sous une autre forme. Au plus haut niveau, HSBC, le trafic de la drogue, bénéficie à la couronne et à l'empire britannique. Si je peux me permettre, Karel, excusez-moi, en fait, en gros, la Chatham House, c'est surtout la Round Table de Lord Milner, Alfred Milner, hein, si on peut citer lui, que Pierre Hillard, d'ailleurs, il l'a cité longuement dans son ouvrage, est le précurseur, finalement, de Bilderberg, le précurseur, en fait, de toutes les grands think tanks et les clubs de coterie internationales. Oui. D'ailleurs, il y a un principe qu'on appelle le Chatham House Principle. Et quand on se réunit, on se parle, mais quand on sort de la réunion, on n'a pas le droit d'en parler
à quiconque d'autre. On ne peut pas partager les secrets de la famille. Et donc, du coup, on a pris la carte des paradis fiscaux. Attends, là, vous l'avez, là. Vous voyez, là, à gauche, là, ça, c'est un mur de comptes numérotés. C'est des boîtes aux lettres avec des numéros. Hein. Il n'y a pas de nom. C'est aux îles Caïmans. Là, vous avez les paradis fiscaux. Hein. Qui sont très nombreux, effectivement, dans les Caraïbes. Alors, il y a soi-disant des lois. Une liste noire, une liste grise, une liste blanche. Et les noirs, c'est les non coopératifs. Les grises, c'est les... Alors, ceux qui sont coopératifs, bah, en fait, ils ne coopèrent pas du tout, en fait. Hein. Ils donnent quelques infos, etc. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Alors, attends, j'avais trouvé un... Ça, c'est dans un article dans Les Échos en Belgique. Ils interviewaient les banquiers, on leur demandait les 10 paradis fiscaux qu'ils préféraient aujourd'hui. Hein. Antigua et les Barbades. 2, le Royaume-Uni, parce que la City de Londres elle-même, au cœur de Londres, est un paradis fiscal, y compris lorsqu'ils étaient dans l'Union européenne. Oui, bah, la City. Hein. Vous savez que la City a un statut spécial, hein. C'est pas du tout. Ça oui, échappe. Alors, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs, Karel, justement le statut de la City, j'avais lu à l'époque dans les ouvrages de Valérie Bugot, qu'on salue au passage, le statut très spécifique de la City, où il y a même un maire. Oui, oui, il y a un maire qui est élu, en fait. C'est en fait le quartier, le district, le financial district, hein, c'est le quartier bancaire de Londres, où les banquiers élisent leur maire, qui est évidemment choisi par eux et favorable à eux. Et ils ont un statut qui est quasiment l'équivalent des Bahamas ou des îles Caïmans, c'est-à-dire c'est totalement opaque. Hein. C'est une totalement ville dans la ville, un territoire dans le territoire. Voilà, en plus ils ont la City de Londres, à un représentant d'office au Parlement anglais, par statut. Mais bon, c'est comme le Sénat. En Angleterre, il n'y a pas de Sénat. Si vous êtes un lord, vous êtes membre du Sénat, parce que vous êtes un aristocrate. Donc le Sénat n'est rien d'autre qu'un ramassis d'aristocrates. Ce n'est pas des gens élus, hein, en Angleterre. De marionnettes, oui. Bon, il n'y a pas d'élection de Sénat. Ça n'existe pas. Si jamais le Parlement anglais fait des bêtises, quand même le Sénat est là pour sauver l'oligarchie. Alors, Karel, j'observe sur la carte que vous avez mise sur le PowerPoint des nouveaux paradis fiscaux là, qui ont émergé, les Émirats arabes unis, notamment Dubaï. Oui et non, parce que il y en a qui ne sont pas membres du Commonwealth, ça c'est vrai. Monaco n'est pas membre du Commonwealth, les Émirats, Dubaï non plus. Mais ils étaient Dubaï, ils avaient un statut. Il y a eu des conflits parce que c'était les pirates du Golfe. Et ils se sont fait casser la gueule par les Anglais. Ils ont signé en fait des accords de non-agression. Mais aujourd'hui, Dubaï est un paradis fiscal redoutable. Et justement, le cartel de Sinaloa, les Mexicains. Pourquoi? Ici, vous avez... Non, j'avais mis un truc là de Dubaï. Ça, c'est Dubaï. Actuellement, à Dubaï, au moins pour 200 milliards d'investissements dans l'immobilier. Alors, ce que font les cartels de la drogue, Dubaï ne contrôle rien du tout sur l'argent qui entre. Il ne pose pas de questions. D'accord ? Donc, vous venez à Dubaï avec 1 milliard et vous achetez un centre commercial, il n'y a aucun problème. Après, vous le vendez 15 jours plus tard et vous prenez le milliard et vous ouvrez un compte d'une banque macédonienne à Dubaï et vous le mettez dans le compte. Le décalage. Après, la banque macédonienne l'envoie, l'investit dans les assurances en Chine et de la Chine, on le rend à Shanghai, par exemple, et après, on le renvoie dans les Caraïbes. Et à partir des Caraïbes, bah, les cartels mexicains peuvent
réintégrer l'argent, parce que le but, c'est quand même de pouvoir disposer de son argent à un moment donné. Ce n'est pas juste de le planquer à un endroit où on ne peut pas s'en servir. Donc, il y a d'abord le placement, après, il y a l'empilement, et ensuite, il y a la réintégration de l'argent. Donc, c'est les trois phases classiques du blanchiment. Et Dubaï est absolument, absolument redoutable. Il va falloir qu'il faut... Il commence à être mis sous pression parce que c'est devenu vraiment too much, comme on dit. Et j'espère que ça changera vite. Mais c'est très important de le faire changer. Parce que Dubaï est en train de devenir un nouveau Hong Kong, en fait. C'est en train de faire un quartier. Oui, c'est à Hong Kong que je pensais, justement. Ouais. D'accord. En plus, oui, vu la situation, bord de mer, centrale dans les... La route de... En plus, c'est à côté de la route de la soie, voire même quasiment, c'est traversé par... Moi, j'ai un doute là-dessus. Si c'est traversé par les routes de la soie, Dubaï, non? J'ai un doute. Faudrait voir. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est pas surprenant. Je veux dire, en France, on observe que beaucoup de dealers se barrent à Dubaï. Il y a deux, trois villes comme ça dans le monde où les dealers vont se réfugier. On a Tel Aviv, on a Dubaï, et puis on a alors le classique, effectivement, Monaco. Il y a des classiques quand même qui restent dans le monde du Commonwealth. Malaga. Malaga, voilà, effectivement, le sud d'Espagne. Mais c'est vrai que Dubaï, oui, c'est l'effervescence, c'est une tristesse absolue. C'est une narcocité, ouais, c'est limite ça, quoi. Voilà, alors, les influenceurs, elle est incroyable. Parce que je voulais rajouter à ça, donc, en fait, dans le livre, je reviens donc sur le fait... sur le fait que j'appelle littéralement à la suspension de la licence bancaire d'HSBC, parce que il y a eu donc en 2013 une enquête très très fournie, donc c'est un document de 230 pages du sénateur Levin du Sénat américain, parce que les Américains ont fait des lois anti-blanchiment aux États-Unis. Donc HSBC qui a dit oui. En fait, ils se sont mis au Mexique et ils ont ouvert partout des agences dans des endroits où il n'y a personne, en fait. Donc, les trafiquants de drogue donc, allaient déposer leur argent à HSBC au Mexique, qui leur ouvrait des comptes dans les Caraïbes. À partir D'accord. Alors, excusez-moi, Karel, hein, juste pour comprendre et que nos auditeurs comprennent bien ce qui est dit là. En fait, HSBC ouvre des agences quasi désertes dans des villes. Il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir une agence HSBC. Et puis, c'est là que les choses se passent, quoi. Oui. Et donc, les Américains ont mis deux, trois fois en garde HSBC. HSBC a dit, c'est pas mon problème. Et donc, il y a eu cette enquête. Et donc, le dossier a été fait. Les gens d'HSBC sont venus. Ils se sont évidemment excusés. Ils ont... présenter leurs excuses les plus plates. Et évidemment, les sincères excuses. Oui, au moment du procès, hein, il y a des photos, ils sont là, en train de s'incliner. Et ensuite, donc, tout d'un coup, on a dit non, voilà, on vous donne une amende. Vous allez payer 1,9 milliard de dollars. C'est la plus grosse amende pour ce genre de choses dans l'histoire du monde bancaire. Après, les Américains ont donné une amende de 9 milliards à BNP Paribas. Hein. Simplement parce que... La Goldman Sachs... BNP Paribas faisait des transactions de pétrole pour l'Iran. C'était plus géopolitique qu'autre chose à Genève. Mais puisqu'on on plaide pour l'extraterritorialité du dollar, toute personne qui utilise le dollar tombe sous la loi américaine. Donc, vous achetez au Cambodge un chewing-gum à un vendeur chinois, vous tombez, et vous payez en dollars, vous tombez sur la loi américaine. Bref, en tout cas, tout d'un coup, le procès s'est complètement ramolli. Et ce qu'on a découvert, donc, 5 ans plus tard, c'est que, voilà, ça c'est un article donc, du journal anglais The Guardian. HSBC a échappé, donc, les poursuites en pénal. Normalement, si vous blanchissez 230
millions de dollars pour des groupes terroristes et de drogue, normalement vous allez en prison. D'accord? C'est du pénal. Là, HSBC, on leur a donné une amende. D'accord? Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, David Osborne, qui était le ministre des Finances, donc, il est intervenu, il a pris son téléphone, il a appelé les Américains, il a appelé le ministre de la Justice américain et dit, voilà, si tu donnes du pénal aux dirigeants de HSBC, vous provoquez un krach financier mondial. Donc, vous arrêtez ça tout de suite. Et les Américains, ils ont obéi aux Anglais. Donc, les gens qui disent que Larouche, c'est un type qui a des phobies, qui voit un complot des Anglais partout, etc. Bon, voilà, maintenant, il y a quand même des gens, même quand même là, Todd, qui commence à parler que. Alors, Todd était très, très anglophile. Maintenant, il dit, dans la guerre d'Ukraine, on n'a jamais vu les Anglais aussi va-t-en-guerre qu'aujourd'hui. Beaucoup plus que les Américains, c'est vrai, hein, tout à fait. D'ailleurs, officiellement, la Russie a ciblé comme premier protagoniste l'Angleterre, avant même les États-Unis. Donc, Londres, c'est quand même Boris Johnson qui a été convaincre Zelensky de ne pas signer la paix avec Poutine. Il faut bien. C'est vrai que ce sont les Anglais. Vous dites juste, Karel, effectivement, là-dessus. Donc ça, c'est pour tous ceux qui pensaient effectivement que les États-Unis étant comme la première puissance, étaient le mal absolu sur Terre. Mais en fait, le cerveau, finalement, le muscle, c'est les États-Unis, mais le cerveau, c'est la City, et les Britanniques, bon, avec un autre cerveau que je n'aimerais pas ici, mais en tout cas, les Britanniques, oui, effectivement, c'est la... Historiquement, on va dire. Historiquement. Oui, avec les élites WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Mais ici, c'est dit, le gouvernement, the US government decided not to pursue criminal charges against HSBC. Oui. Le gouvernement américain a décidé de ne pas poursuivre en pénal les dirigeants de HSBC pour permettre des terroristes et des dealers de drogue de blanchir des millions de dollars. Ça, ça a été fait suite à l'intervention de George Osborne. Donc, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans la presse. Donc, un coup de fil, on protège le business du blanchiment, et puis ça passe, personne, une petite amende comme ça, et hop. Donc la question, c'est que ce que je montre après, c'est que ça a créé un précédent. C'est-à-dire, on est passé du « too big to fail », c'est-à-dire que c'est des banques qui ne peuvent pas mettre en faillite parce qu'on a mélangé la banque d'affaires avec la banque de dépôt. Donc, si la banque d'affaires a fait des bêtises, on ne peut pas la mettre en faillite parce que sinon, c'est des millions de gens qui perdent leur argent. Ben, au même temps, c'est des banques qui sont « too big to jail ». Ils passent du « too big to fail » au « too big to jail ». Ils sont intouchables. On ne peut pas les mettre en faillite, on ne peut pas les mettre en prison. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que, par exemple, la France, vous savez que la France n'a plus de banque, n'a pas une banque nationale capable d'émettre du crédit public pour financer des grands projets ou lancer son économie. Elle est endettée et que chaque année, France Trésor donc, va créer de la dette, elle va vendre de la dette pour financer le fonctionnement de la France, d'accord? Et pour, ce sont des bons du Trésor français, qui sont vendus par France Trésor. Mais vous ou moi, on ne peut pas les acheter. Et même une banque normale ne peut pas les acheter. On ne peut que les acheter sur le marché secondaire, d'accord? Donc, mais ce qui existe, ce qu'on appelle, c'est des primary dealers, c'est les acheteurs de choix, comment dire? C'est un club de banques qui sont sélectionnées et qui, eux, achètent donc de France Trésor la dette française. Alors, je vous donne la liste. Hein. Il y a 15 banques. Parce qu'on ne l'avait pas, cette liste, justement, avec la fameuse circulaire de 2014, l'ordonnance de 2014, pardon, qui a interdit aux Français de connaître qui sont nos créanciers. Alors, c'est 15 banques, mais eux, ils achètent les bons du Trésor, ils achètent des bons souverains, donc des obligations de l'État français. Après, ils les revendent aux autres. Il y a un marché.
Moi, je suis pour la suppression du marché des bons du Trésor. Ça peut se vendre entre, ça peut s'échanger entre États, mais ça ne doit pas être un marché commercial, Tout à fait. parce que c'est l'avenir des États. En tout cas, là, on a 15 banques qui achètent les bons du Trésor de l'État français. Il y en a 4 françaises, BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole, Société Générale. Donc, dans Natixis. laquelle il y en a quand même une qui a été absolument clé dans la manipulation des taux du Libor. Vous rappelez le scandale des banques à Londres qui manipulaient les taux à leur profit. Hein, le taux de Libor, c'est le taux de référence pour tous les crédits que tout le monde vend et achète avec un taux qui est fixé à Londres, le Libor. Le London Interbank Rate, something, quelque chose de ce genre. Donc, Société Générale a été quasiment pointée du doigt pour ça. Donc, BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole, Société Agricole. Ensuite, vous avez deux banques allemandes, Deutsche Bank, qui est quasiment en faillite tellement elle a spéculé sur le marché des produits dérivés, et la Commerzbank, qui est une des banques qui, ensemble avec le Trésor américain, a capté une partie des avoirs de la Banque centrale de l'Afghanistan. Ah d'accord. Ah oui, on a Commerzbank. payé au passage de départ. D'accord. Ah ben oui, parce que Ah, ça, c'est cool. Les il y a talibans, ils 9, sont finalement. les Occidentaux ont confisqué 9 milliards et demi, les Américains ont 7 milliards et demi, et le reste, c'est dans des banques européennes, surtout Commerzbank. Ensuite, vous avez trois banques anglaises. Morgan Stanley, qui est en fait le cousin germain de JP Morgan. Vous savez, quand le président Roosevelt a demandé la loi Glass-Steagall de séparation bancaire, la famille Morgan a pris une partie de la famille et les a envoyés à Londres pour créer une banque spéculative, une banque d'affaires qui s'appelait Morgan Stanley, parce que Mais... c'était plus autorisé aux États-Unis. Mais en fait, c'est toujours dans la même famille, de la famille Morgan. Donc, Morgan Stanley, Barclays, bien sûr, et HSBC. Et après, vous avez cinq banques américaines, Citibank, JP Morgan, National Westminster, Bank of America, Goldman Sachs, et une Oh banque oui, japonaise, Nomura. Donc, la ces quatre Goldman Sachs, banques. ça me dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que HSBC, qui a été condamnée pour blanchir l'argent de la drogue, cette banque, elle est très gentille parce qu'elle nous achète notre dette. Et nous, les Français, on ne devrait pas trop râler. Il ne faut pas trop critiquer Merci aux banquiers, HSBC alors. Merci, on leur et dira dire merci. merci. Merci HSBC, parce qu'avec l'argent de la drogue que vous blanchissez, vous achetez notre dette et ça nous permet, nous, de continuer à vivre, à survivre ou à C'est faire de l'argent survivre. éthique, Karel, si je peux me permettre. C'est de l'argent éthique, évidemment. Faire survivre C'est plus une éthique. occupation financière d'une caste de parasites et d'une oligarchie financière qui est en train de nous détruire. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ça va beaucoup plus loin que. Et ça, le FMI, disons, il y a Antonio Mario Costa, qui était le chef de la lutte anti-drogue à l'ONU, qui en 2009 a dit qu'au moment du grand krach de 2008, hein, 2008-2009, la fameuse Lehman Brothers, dit qu'une partie du système financier, certaines banques ont survécu grâce à l'argent de la drogue. Donc les sommes d'argent de la drogue sont telles et ça prend une telle proportion que ça fait partie intégrante du système financier global. Et donc, on peut essayer de limiter les dégâts, mais on ne peut pas vraiment y toucher. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables du TRACFA, qui sont ces 220 personnes qui sont chargées donc de surveiller en fait, et tout le système fonctionne en fait sur des bases de signalement et sur l'autodénonciation. C'est-à-dire une banque qui est supposée déclarer qu'elle a vu des mouvements bancaires pas clairs, pas nets. Elle doit le signaler au TRACFA. Mais moi, j'ai dit au monsieur, mais j'ai dit, mais ça, c'est très bien. Mais vous devez surtout surveiller tout ce qu'il ne déclare pas. Parce que. Ah oui, mais alors, il y a.
il y a d'autres agences. C'est un peu la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'on essaye. Ils sont supposés de s'auto-déclarer. Et ça, si ça n'est pas fait, ben, on peut quand même faire des choses. Mais vous voyez, c'est extrêmement. C'est quand même extrêmement laxiste, hein, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, vu les enjeux et vu les dégâts que ça fait, je pense qu'il est vraiment. Il est vraiment. Le moment est venu. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, parce que il faut quelqu'un, il faut exiger qu'on mette fin à l'impunité d'un système. C'est un système où il y a l'impunité qui est devenue la loi. Depuis que HSBC. Vous voyez, là j'ai mis sur la diapositive. Ça, c'est en 2021. Donc, on est quand même très loin après HSBC. Ça, c'est une enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d'investigation. Donc, tout ça, c'est des gens très sérieux, hein. C'est Le Monde, c'est le New York Times, etc., qui était à l'origine des Panama Papers, montre que 2 000 milliards de dollars d'argent sale ont transité pendant près de 20 ans par des grandes banques, dont JP Morgan, Chase, HSBC et Deutsche Bank. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Vous voyez, donc, puisque HSBC, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et ils ont gagné, les gars. Ils ont eu haut la main, ils ont fait valoir la force, la puissance, la corruption, le contrôle qu'ils ont. Et donc, ils ont fait, c'est un précédent. HSBC, c'est un précédent de l'impunité. Donc, les autres, ils disent, si HSBC peut le faire, nous, on va pas se gêner, hein. On va faire pareil. Donc, depuis cette affaire, c'est pour ça que c'est vraiment important de. Pourquoi il faut vraiment faire d'HSBC un cas, parce que c'est vraiment le tournant, c'est le symbole de la capitulation de nos États, de nos États souverains devant comment dire, devant un coup d'État permanent. Et ce que vous voyez avec l'Équateur, disons, moi, ça me fait mal au cœur, parce que c'est des pays qui ont un potentiel magnifique. Et en fait, vous avez un coup d'État d'une mafia de la drogue, mais qui n'est que l'appendice, en fait, Apparemment, effectivement. d'une oligarchie. C'est que la partie visible de l'iceberg, qui est cette oligarchie financière, qui est une barbarie, qui est des gens qui vont nous détruire, qui se détruisent eux-mêmes, et qui vont nous détruire avec si on les arrête pas. Et donc, il faut voir, comme on dit en anglais, le bigger picture. Il faut voir l'ensemble du tableau. Si vous fixez sur les points du deal, même si vous fixez sur tel ou tel réseau, en fait, on n'arrive nulle part. Il faut vraiment avoir la vision large et la notion historique dans quoi on est. Mais c'est un Là, ensemble de choses, Karel, voilà. si je peux me permettre. Voilà. Et là, on se donne les moyens d'agir. Parce que là, on fera attention, et là, on ira voir le moment où ils feront le faux pas qui nous permet, en fait, de les mettre à genoux. Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Comment les neutraliser? Tout le monde se la pose cette question tous les jours. Surtout les gens qui s'intéressent effectivement à toutes ces questions-là. Voilà, ou même pour les gens éveillés qui lisent, qui se cultivent et qui découvrent voilà, qui découvrent la réalité de ce monde dirigé par cette caste de parasites, comme vous dites si bien. C'est comment faire? Comment les neutraliser? C'est la grande Alors question. dans le livre, donc que vous allez acheter bien sûr, il y a 10 orientations d'une lutte efficace. La première serait de réduire la taille des banques. Voilà. Donc si vous faites la séparation bancaire stricte avec des banques de dépôt et du crédit d'un côté, qui ont le droit de collecter des dépôts, de faire du crédit, mais qui n'ont pas le droit d'aller sur les marchés spéculatifs. Et de l'autre côté, vous avez des banques d'affaires, mais quand ils perdent, ben, voilà, ils font faillite. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Déjà, vous réduisez la taille des banques. Il faut créer des banques publiques contrôlées par les États. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Il faut créer un pôle bancaire public beaucoup plus large. Il faut reprendre le contrôle de la Poste, de la banque postale, qui est devenue un casino. Qui Postale qui est dirigée par Philippe Wahl, WHAL, il me Il y semble, a, membre de l'Institut Montaigne. voilà, il y a la Banque C'est Postale une Asset place de Montreuil. Management. Déjà, elle a quasiment fait faillite. On a déjà dû la renflouer parce qu'ils étaient aux abois, hein.
Donc, ça, c'est la première chose. Donc, plus de banques publiques, plus de banques plus petites et la séparation stricte des banques. Oui, surtout ça. Ça, il faut le faire. Deux, HSBC, on suspend sa licence bancaire. Une banque où on a démontré qu'après des multiples avertissements, elle continue à blanchir l'argent de la drogue et du terrorisme, on suspend sa licence bancaire. Ça, évidemment, il faut mieux qu'on le fasse avec d'autres pays, qu'on le fasse ensemble, pour être efficace. Trois, il faut dénier toute existence juridique aux coquilles offshore ouvertes dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez 1 million, vous allez à la Société Générale et dit « je vais ouvrir un compte ». La Société Générale dit « ok, vous avez un compte, mais on va vous aider à ouvrir un compte à Gibraltar pour que vous ne payiez pas trop d'impôts quand même ». Oui, donc le problème, ce n'est pas Gibraltar. Le problème, c'est les paradis fiscaux, ce n'est pas là-bas. Les paradis fiscaux, c'est ici. C'est dans nos banques à nous que ça se passe. Interdiction de crypto-monnaies autres que celles des États. On a vendu l'illusion qu'avec les crypto-monnaies, on allait être libre. Ça fait plaisir à tout le monde, ça. C'est le contraire. Qu'un État contrôle une crypto-monnaie, pourquoi pas? Parce qu'il y a un état derrière. Mais les crypto-monnaies privées, no way. Ensuite, rétablir une douane digne de ce nom. Les conteneurs qui arrivent dans le port d'Anvers, on contrôle 1 à 2% des conteneurs qui arrivent. D'accord ? Seulement 1 à 2%. Avant, c'était 1%. Ils avaient 3 scanners. Maintenant, ils vont doubler. Ils vont avoir 6 scanners. Pour en contrôler 2% des conteneurs. C'est une blague. On se moque du monde. Ça, c'est parce que oui, mais c'est le libre-échange et on va perdre. Vous allez ralentir le commerce mondial et les gens vont aller ailleurs, etc. etc. Donc ça, c'est pas possible. Dans les aéroports d'où partent les mules du trafic, comme en Guyane, les passagers doivent être systématiquement scannés à leur départ. Aujourd'hui, il n'y a rien en Guyane. Les gens qui partent. Donc, on n'est pas sérieux, on fait du blabla. Il faut rétablir une police judiciaire centralisée, spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme. Aujourd'hui, on est en train de démanteler les brigades spécialisées qui sont au top pour les envoyer sur le terrain, suivre sur des bicyclettes les gars qui roulent en Ferrari. Moi, je soutiens la police dans cette affaire. Et il faut donner le temps aux gens de faire des enquêtes de fond. C'est la police. La police en France nous a habitués à cette corruption dans la question des trafics de drogue. On a des cas très célèbres. Bah oui, la semaine dernière, à Rennes, vous avez vu ce qui s'est passé? À Rennes, la police devait lancer une grande opération pour démanteler tout un réseau local après des mois d'enquête. Ils sont arrivés le matin, ils ont dit ben, on abandonne parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une balance. En fait, les trafiquants, tout le monde était au courant. Il y a des gens dans la police ou je ne sais pas où, dans l'administration, qui ont donné l'information aux trafiquants. Donc, ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Parce que ça veut dire c'est c'est pas nouveau sous le soleil, on va dire. Rien de nouveau sous le soleil. Les cartels de Sinaloa au Mexique, s'il n'y avait pas la corruption dans la police mexicaine, ça ne marchait pas, ça ne marcherait pas. Donc la corruption, c'est une face importante à combattre dans le combat. Bien sûr. Ensuite, il faut faire des vraies campagnes de prévention. On est encore dans une situation comme il y a 40 ans, ou si vous faites une conférence sur la drogue dans une école, les parents disent « Ah oui, ils parlent de la drogue, ça veut dire qu'ils doivent avoir de la drogue à l'école, donc je retire mes enfants, je vais les mettre dans une autre école. » Il faut... On ne fait rien. C'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Sur les addictions, il faut vraiment éduquer nos mômes. Et c'est pas fait. Il faut une commission parlementaire pour enquêter sur les principaux établissements financiers soupçonnés. Surtout ça. Et leur donner les pouvoirs d'instruction et de réquisition. Alors,
Karel, si je peux me permettre, je vais vous poser une question. N'a-t-il pas déjà existé une commission parlementaire qui a enquêté sur ces parasites de la finance en France? Oui, il y a eu, vous savez, à un moment donné, on avait parlé du Londonistan au moment des attentats. Il y a eu des attentats à Paris qui ont tué plein de gens. Et en fait, les terroristes étaient à Londres. Vous vous rappelez de ça? C'était des gens du GIA. Donc, on a dit c'est le Londonistan. Donc, la France a demandé l'extradition de plusieurs terroristes connus qui étaient à Londres. Et les Anglais disaient non, parce qu'ils n'ont rien fait ici, donc c'est pas notre problème. Et c'est là où la France, donc il y a eu la commission Payan-Montebourg, qui a fait un excellent rapport sur les paradis fiscaux, qui commençait à dire comment la City marchait comme un paradis fiscal, comment le blanchiment de l'argent du terrorisme et de la vente, etc. Et finalement, les Anglais ont lâché, les Anglais ont renvoyé quelques terroristes que la France demandait. Et la France a enterré Ça devait être l'excellent dossier. oui, ça devait être le deal. Ça devait être le deal. On vous renvoie, donc taisez-vous après, quoi. Pas Oui, d'étonnant. donc vous pouvez toujours le lire. Hein, et, disons, c'est écrit d'une façon diplomatique. Hein. Montebourg, vous parlez bien d'Arnaud Montebourg dans Oui, le Gaston quand il était Payen et député. Hervé Montebourg, oui. Quand il était député. Oui, je peux vous. C'était en 98, je crois. Dans le 90, livre, 90. on a mis des extraits dans le livre. Donc. Et enfin, il faut, dans les pays en voie de développement, soutenir tout effort permettant aux petits cultivateurs de remplacer les cultures de drogue par d'autres activités économiques. Ça, Alors, j'ai eu le plaisir, donc j'étais à Kaboul, en Afghanistan, au mois de novembre, avec Pino Arlacchi, qui était l'ancien chef de la lutte anti-drogue des Nations Unies. Et il se fait, peu importe ce que vous pensez des talibans, c'est maintenant reconnu, et les Anglais s'en plaignent, que les talibans, en fait, ont arrêté la culture du pavot en Afghanistan, aujourd'hui. Et donc, vous avez des articles dans la presse anglaise qui disent « c'est dégueulasse, ces salopards des talibans sont en train de détruire nos belles fleurs ». Nos belles fleurs de pavot, c'est certainement des terroristes et il faut surtout pas travailler avec eux. Ils ont été à la racine du problème, tout simplement, radicalement. Mais alors, Karel, si je peux me permettre, y Les a-t-il gens pas ont une faim là-bas. ressemblance, y a-t-il pas une ressemblance entre ce qu'ont fait les talibans là avec les Chinois à l'époque de la guerre de l'opium? Oui. Oui, dans le sens que les talibans, en tout cas les intermédiaires que j'ai eus, c'est surtout des gens de la diaspora afghane qui tentent de. Disons, les lignes sont en train de bouger. On a des gens là-bas. En fait, j'ai été invité en tant qu'expert sur les questions de l'eau et du patrimoine culturel parce c'était une grande conférence sur la reconstruction du pays. Et donc, on voit des gens qui, depuis 40 ans, ils ont fait le larbin, ils ont été dans des guerres par procuration, soit pour les Soviétiques ou pour les Américains. Maintenant, ils disent, on en a marre. Maintenant, on veut travailler pour nous, pour nos enfants. On va avoir de l'eau, on va avoir des hôpitaux, on va avoir de quoi manger. Et on va faire une. Ils sont extrêmement déterminés, extrêmement dignes, déterminés à reconstruire leur pays. Donc ils disent, voilà, on va faire du blé parce que les gens en meurent de faim. L'Afghanistan est un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui, alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Si c'est bien organisé, ce n'est pas un problème. D'accord. Oui, ça donne effectivement une plus grande vision. Bah, j'imagine en tout cas le ras-le-bol du peuple afghan, finalement, avec ses 40 et 50 dernières années de guerre, entre les guerres civiles des années 70 jusqu'à l'invasion soviétique et l'invasion américano-otanesque, on va dire. Je ne sais, le nombre de pays est hallucinant. Hein, ouais, et puis finalement, Non, mais surtout, justice rendue quand même par le peuple afghan. Ce n'est que justice, justement. officiellement, il y a des milliards qui ont été envoyés en Afghanistan sous l'occupation américaine. Et ces milliards, en fait, ont été donnés à des gens corrompus sur place qui renvoyaient les milliards aux gens qui les ont donnés.
Ah, d'accord. Ah, très bien. Bah, c'est magnifique. Est-ce qu'on a des sources de ça, de ces flux comme ça financiers, enfin d'argent? Oui. Par exemple, à Kaboul, c'est quand même une ville maintenant de 7 millions d'habitants, ben, il n'y a pas d'égout. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, etc. Donc et l'eau est de plus en plus polluée. Même les Américains vidaient leur latrine dans la rivière du coin. Ah, C'est-à-dire que. d'accord. La question démocratique a disparu là. Oui. D'accord. Oui. Donc c'était une corruption, mais au-delà de l'imaginable. Je peux pas tout dire, mais j'ai des éléments extrêmement précis. J'imagine, j'imagine. Non, mais le peuple afghan, ce qu'il a subi depuis plus de 50 ans maintenant, enfin, c'est totalement hallucinant. Nous sommes bien des privilégiés ici en Occident, hein, par rapport à leur. Effectivement. Sur la question du confort, hein, pas le reste. C'est aussi parce que c'est vraiment le lieu historiquement, ils sont au centre de la route de la soie, entre la Chine et l'Europe, en fait. Et donc il y a des gens qui cherchent à avoir de cette région, d'avoir un chaos permanent pour des raisons géopolitiques, en fait. C'est pas. Notamment la doctrine Mackinder, la fameuse question eurasiatique, je ne suis pas Plus étonné. vous avez certains Pakistanais qui se font beaucoup d'argent de poche en prétendant qu'ils font la guerre à la drogue, et donc en réceptionnant des fonds américains pour lutter contre la drogue, quitte à inventer un peu de terrorisme même. Vous voyez, donc. Et ça crée Finalement, c'est beaucoup. central l'opium, alors, dans tout ça. Comment? L'opium, c'est central, finalement, aussi dans la question afghane. Ben oui, parce que. Surtout qu'au début, c'était vraiment. Il y a toutes les bonnes raisons d'une coopération saine. La Chine, parce que l'Afghanistan est servi d'arrière-base pour les Ouïghours qui montaient des opérations au Xinjiang. Pour les Russes, parce que l'opium, l'héroïne, il y a un énorme problème d'addiction à l'héroïne en Russie qui venait d'Afghanistan. Et en Iran, pareil. Donc tout le monde a intérêt, objectivement, tout le monde a intérêt à changer la donne. À que ce pays-là puisse retrouver un minimum de dignité et de croissance et qu'on élimine cette peste de la drogue. Alors, Karel, si je peux me permettre, j'imagine que les Anglo-Américains ont profité de cette manne de l'opium lorsqu'ils occupaient l'Afghanistan. Ben oui, c'est pour ça que les Anglais voulaient être au Helmand, c'est là où il y a les productions qui ont doublé. C'est-à-dire que la question, c'est qu'il y a eu deux périodes. Il y a la période du premier gouvernement taliban, qui était en 96. Et déjà, ils avaient réduit, notamment avec l'aide de Pino Arlacchi, qui était déjà sur place, qui avait mis en place un programme de réduction et de remplacement des cultures de la drogue, notamment par le safran, qui rapporte plus que l'héroïne en culture. Donc c'était possible, ça a été fait. Après, il y a eu 2001, il y a eu les Twin Towers, il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc, puisque les pilotes étaient saoudiens, on a envahi l'Afghanistan, évidemment. Si vous voyez ce que je D'accord, ouais, c'est très clair. veux dire. C'est logique, hein? Parce que l'Arabie saoudite était quand même un allié trop important. Du coup, les Américains ont dit, on va faire la lutte contre le terrorisme, on va travailler avec les seigneurs de la guerre. Mais les seigneurs de la guerre en Afghanistan, c'était les gens qui géraient les plantations du pavot. Donc pour lutter contre le terrorisme, on a ramené la drogue, en fait. En 2001, 2002, on a rétabli les productions d'opium en Afghanistan. D'accord. Pour soi-disant gagner la guerre à la drogue, on n'avait soi-disant pas d'autre choix. C'est une Alors que belle leçon de démocratie, effectivement. voilà, parce qu'il se fait que même du point de vue religieux, pour les talibans, dans l'hanafisme des talibans, la drogue est vraiment un truc à bannir. C'est contraire C'est extrêmement grave, à leur effectivement. D'un point de vue conviction religieux, religieuse, c'est extrêmement grave. même à la conviction religieuse. Oui, bien heureux en tout cas, l'Afghanistan d'aujourd'hui. Alors, si l'opium disparaît, c'est passé. Ça va pas,
Il va falloir beaucoup plus parce que quand vous avez 1 million de personnes qui vivent de ça, il faut vraiment qu'il y ait un plan d'aide internationale pour permettre aux petits paysans afghans de pas seulement arrêter le pavot, mais de faire autre chose à la place. Et pour ça, Effectivement. il faut pouvoir Effectivement, normaliser. Pour l'instant, il y a l'orientation économique et professionnelle. voilà. Pour l'instant, il n'y a que le Kazakhstan qui a enlevé les talibans de la liste des organisations terroristes. Mais il faut œuvrer pour une normalisation des relations pour qu'on puisse reconstruire. Alors, j'aurais une question, parce que je pense qu'on là on arrive effectivement à la fin de notre émission. Il y a une question, moi, pour revenir un petit peu sur le contexte français. Est-ce qu'on a des éléments bancaires en France? Quelle banque? Il y a que la HSBC en France qui blanchit l'argent de la drogue? Quelles sont les autres banques? Est-ce qu'on a des éléments? C'est compliqué. J'ai pas retrouvé. Je l'avais vu hier soir, mais je ne l'ai pas préparé. Mais il y a un site internet qui s'appelle Crime. Non. Il y a un rapport sur les activités des banques dans les paradis fiscaux. Et évidemment, il n'y a pas qu'HSBC dans les paradis fiscaux. Il y a aussi BNP Paribas, il y a la Société Générale. Et quand vous voyez, ce qui est frappant dans le profil de HSBC, c'est qu'elle fait l'essentiel de ses profits dans les paradis fiscaux, pas en Angleterre. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a des. Maintenant, ceci ne prouve pas cela. Moi, je ne peux pas. Sur cette base-là, je ne peux pas dire. Je ne peux pas lancer des accusations. Sur la base de rien. Donc, on peut soupçonner les banques qui sont le plus impliquées dans les paradis fiscaux d'être, en tout cas, ils rendent le système vulnérable à des opérations de blanchiment. Est-ce que Karel, vous croyez à peut-être une nouvelle tentative de création d'une commission parlementaire actuelle pour enquêter sur le blanchiment d'argent en France par rapport à le trafic de drogue? Non, il faut quelque chose. Il y a eu, après les attentats à Paris, en fait, il y a eu le TRACFIN et tout ça. Ça s'est mis. On a seulement commencé à regarder sérieusement le blanchiment d'argent après les attentats contre le Bataclan. Et encore, parce que c'est compliqué, parce que maintenant, vous savez, il y a des attentats qui ont été faits avec des crédits à la consommation, hein. Il y a des terroristes qui ont été chez Groupama. Je vais acheter une voiture. Oui, d'accord. On ne peut pas tomber dans les caricatures. Oui, bien sûr, mais bon, j'imagine qu'à un moment donné, il faut quand même passer par la voie légale, ou en tout cas, essayer de faire quelque Compliqué. chose. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les instances qui ont été créées pour réellement pouvoir regarder le blanchiment, ce n'était pas pour la drogue, c'était pour le financement du terrorisme. Évidemment, ce qu'on sait, c'est que l'argent de la drogue va aussi financer une partie du mouvement du terrorisme international. Ça, c'est connu. Quoique, si c'est pour aller massacrer les gens avec un couteau de cuisine. Alors donc, si je comprends bien, c'est finalement la menace terroriste qui a réveillé nos élus, entre guillemets, et la question Oui. de la drogue pendant tant d'années, non, c'est. Non, parce qu'il faut un fait choquant dans l'actualité. Qui fait que les élus vont rendre des comptes devant les électeurs. Donc c'est malheureusement comme ça. À moins que vous achetiez 150 livres et vous les envoyez aux députés, aux sénateurs. Vous C'est pouvez une très bonne idée. les taquiner. Il y a des prix pour l'achat en volume, on vous fait un prix spécial. Parce que c'est un livre pamphlet, c'est pas un livre pour être sur votre table de chevet pendant Ouais, ça, 5 ans. je C'est un livre. poserai la question à Meir Habib si une commission parlementaire puisse être mise en place. Dans le cadre du trafic de drogue. Bon, mais c'est une blague. Non, mais mis à part ça, voilà, c'est quand même surprenant, effectivement, que
que les parlementaires ont eu les yeux fermés toutes ces années-là sur la question du blanchiment d'argent et du trafic de drogue, alors qu'on crée des commissions pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Moi, quand je regardais les thématiques de commissions parlementaires créées, j'hallucinais. Je dis, où sont la priorité, quoi? Où sont les priorités? C'est totalement hallucinant. Non, et après, ce que nous avons toujours souligné, notamment avec l'exemple de ce qu'on appelait la commission Pecora aux États-Unis, et que quand Roosevelt a convoqué JP Morgan, il avait Pecora qui avait un pouvoir de réquisition. Donc il pouvait aller débarquer dans la banque et confisquer les données, etc. Donc aujourd'hui, si c'est pour faire des commissions d'enquête qui vont parler pendant 3 semaines, qui vont faire des beaux rapports, à quoi bon? Donc faut changer de vitesse là. À un moment donné, il faut changer de vitesse. Donc normalement, on aurait dû, quand ils avaient fait les Panama Papers, par exemple, c'est quand même le consortium interne des journalistes d'investigation. Pourquoi il n'y a pas une commission d'enquête après en France sur ça? Hein? Donc là, on banalise. Il y a eu tous les 2 ans, vous avez il y a l'affaire Falciani qui était chez HSBC d'ailleurs. Hein? Vous vous rappelez? Oui, l'affaire Falciani. Bah, ça aurait été une occasion de créer une commission d'enquête et de le faire parler. Hein? Parce Bah, en fait, que on comprend mieux finalement, parce que quand on fouille un petit peu, je pense que vous avez dû trouver la même chose, Karel. C'est quand on regarde qui sont à la French American Foundation, qui sont à l'Institut Montaigne, qui sont dans la plupart des think tanks du libéralisme en France et du mondialisme, on trouve quasiment des banquiers. La dernière fois, je regardais le conseil d'administration de Terra Nova, tiens, ou même de l'Institut Montaigne, on trouve des banquiers de la Goldman Sachs, de Rothschild, ou alors de la Société Générale. C'est amusant quand même. Non, mais aussi, vous avez le verrou de Bercy. C'est-à-dire que quand la police fait une enquête, hein, quand ça monte, à un moment donné, il faut l'accord de Bercy. Quand ça touche des intérêts économiques majeurs. Et si Bercy, si le ministre de l'économie appelle le président et dit, chef, qu'est-ce qu'on fait? Si le chef dit, non, 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 là, on ne touche pas, voilà, les choses sont enterrées. Donc la question, c'est que Le président de la Banque de France. tant qu'HSBC sera dans une position de primary dealer pour acheter la dette française, je ne vois aucune raison pour laquelle il y aura une commission d'enquête sur ce genre de banque. Il faut Bah, pas. on prenait le cas du dirigeant de la Banque de France, enfin l'ancien Villeroy de Gallo, si là c'est un nom très spécifique. On le retrouve au dîner du siècle, on le retrouve dans certains cénacles mondialistes et on le retrouve dans certains think tanks. Est-ce que finalement, c'est-à-dire que même dans les milieux bancaires officiels français étatiques, enfin dits étatiques, parce que la Banque de France, son statut est très, très étrange, si même là, effectivement, on les retrouve dans ces cénacles-là, quid de l'action publique pour ces commissions d'enquête? Oui, mais première chose à faire, renationaliser la Banque de France. C'est ce que nous avons dit à nos amis gilets jaunes à l'époque. Tout à fait. Et Et le donc là, c'est plan. la coupe politique pour le coup. Ah ben oui, parce que si vous n'avez pas de banque nationale, si vous avez une séparation des banques, mais vous n'avez pas de banque nationale derrière pour assurer, parce que aujourd'hui vous dites on va couper les banques en deux, ben on vous dira oui, mais qui va nous financer alors? Qui va acheter? Moi, ce qui me frappe dans la liste, dans vos pré-listes que je vous ai données là, c'est qu'il n'y a quasiment pas de banque normale. C'est tous des banques d'affaires, c'est tous des banques qui spéculent. Alors qu'il y a encore des banques dans le monde qui spéculent beaucoup moins. Là, vous avez les champions des spéculations. Ces gens-là, c'est eux qui achètent la dette française. Mais c'est une honte. C'est une honte. Parce que. Vous en souvenez, Karel, sous le mandat de Hollande. Hollande, c'était sa promesse de campagne, hein, il a leurré les Français avec ça. Mon ennemi, notre ennemi, c'est la finance. On ne l'a plus entendu depuis cette promesse. Sur cette question-là, on ne l'a pas vu s'intéresser au statut de la Banque de France, notamment. D'ailleurs, c'est sous son mandat, il me semble, oui,
Si, c'est bien sous son mandat en 2014 qu'il y a eu La la loi fameuse Moscovici. ordonnance de 2014. La fausse séparation bancaire de la loi Moscovici. Où on dit, on va filer Hollande, à on peut pas financier. C'est pour ça que quand j'ai vu Madame Oudéa, j'ai dit, mais c'est pas elle qui veut accuser de mentir, il faut parler à son mari, Monsieur Oudéa, qui est quand même à la tête de la Société Générale pendant un moment. Et c'est lui qui, à l'époque, on lui a demandé combien d'activités spéculatives il y a dans la Société Générale. Il dit, oui, bon, ça doit faire 2%. 2% dans une banque comme celle-ci, à vous tous. Oui. Donc, on va filialiser 2% qu'on va mettre dans une filiale, qu'on sauvera d'ailleurs en cas de problème. Mais évidemment, si une partie, j'imagine qu'il y a une grande partie des opérations spéculatives qui sont hors bilan. Donc, si on vous demande dans votre bilan, il y a combien, ben, c'est très peu, parce que la plus grande partie est hors bilan. Donc, on peut. Il faut vraiment regarder ça de. Alors, Karel, si je peux me permettre, pour essayer d'un petit peu justement synthétiser cette excellente émission sur le trafic de drogue et la question oligarchique bancaire, on peut dire donc à nos auditeurs que finalement, ça doit passer par une action politique forte pour reprendre le contrôle sur le crédit public, sur une éventuelle nationalisation de la Banque française et de régler le problème de la dette, et secondo, d'avoir une politique sociale forte de prévention et d'action face aux addictions et aux comportements de consommation face à la drogue. Finalement, on est sur deux versants. Tout à fait. Il faut traiter le négatif et il faut beaucoup de positif parce que si on perd notre envie de faire nation, de faire un projet ensemble, de faire quelque chose de bon pour le reste du monde, à ce moment-là, bah, on devient pessimiste, on devient collabo, on devient stupide. Nous sommes d'accord. Si on pense un minimum à l'avenir de nos enfants, Et là, nos effectivement. enfants vont s'ennuyer, ils vont prendre la drogue parce qu'on est devenus tellement ennuyés, nous. Après, c'est vrai qu'il faudrait toute une émission pour traiter la cause réelle de la consommation de drogue des Français. Le mal-être, le sens de la vie, il y a tellement de choses à dire par rapport à cela. Le manque de perspective d'avenir de notre jeunesse. Et là, effectivement, il y a tout un chantier sur cette question-là. Mais effectivement, ça mériterait d'être traité dans une émission à part. En tout cas, Karel, nous arrivons à la fin de cette émission. Moi, je tenais à vous remercier, évidemment, au nom de Service Public Libre pour cette excellente émission. Ces chiffres C'est moi. ahurissants, ces statistiques, cet excellent PowerPoint. En tout cas, j'espère que nos auditeurs ont compris la gravité et l'urgence de la situation pour nos jeunes, pour nos familles, parce que même des adultes, de toute façon, consomment ce genre de drogue. Et l'état de notre nation actuelle, l'état du peuple français actuel, sous antidépresseurs, consommation de drogue pour oublier les méfaits de la vie, la situation gravissime au niveau de l'économie, de la finance, cette dette qui nous écrase. Je pense que les gens n'ont toujours peut-être pas compris la gravité aussi de la situation au niveau de la dette. Hein, par habitant, nous étions entre 40 et 50 000 euros, je crois, par un enfant qui naît en France, naît avec une dette de entre 40 et 50 000 euros, je donne un chiffre mais qui n'est pas précis, mais c'est une fourchette. Voilà, donc tout ça, comprenez bien, chers auditeurs, ce pourquoi on a fait cette émission ce soir, c'est pour alerter sur la gravité de la situation en France concernant le trafic de drogue et surtout de nommer et de pointer, on va dire, les responsabilités au haut sommet de ce, finalement, de ce cercle infernal. Hein. Voilà, et il faut en sortir. Il faut en sortir. En tout cas, merci à vous, Karel. Je précise à nos auditeurs qu'on peut vous retrouver dans les colonnes du journal Nouvelle Solidarité et vous retrouver également dans des conférences et des interventions en tant que militant au sein du mouvement Solidarité Progrès, que l'on salue au passage d'ailleurs. Et on espère vous retrouver très prochainement pour d'autres thématiques, en tout cas autour de ces questions-là. Voilà, Oui, donc, cher Karel. juste Oui. un détail, donc notre site a été un peu malmené, donc on est en train de le refaire. Il sera bientôt de nouveau fonctionnel. Et D'accord. donc il y a on a une page sur YouTube et des pages Facebook, Solidarité Progrès. Donc pour commander le livre, vous pouvez aller sur Facebook, vous aurez toutes les références. Et aussi en bas de l'émission, je crois,
pour vous procurer. Redouane, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu pourrais nous mettre, s'il te plaît, à l'écran, justement, les liens qu'a mentionné Karel? Alors, les liens qu'a mentionné Karel, ils sont tous dans la description. J'ai D'accord. mis donc dans la description où est-ce qu'on peut acheter cet ouvrage, le dossier donc fait par Solidarité Progrès, le lien de la chaîne YouTube, le lien du Twitter, le lien du Facebook. Vous pouvez vraiment tout retrouver. Et je n'avais pas mis le site internet parce qu'en effet, j'ai vu qu'il était offline. Donc c'est pour ça que je n'avais pas mis le site internet. Voilà. C'est parfait. Merci à vous. Merci à vous, Karel. Continuons le combat et à bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous, chers auditeurs, et on vous dit rendez-vous, très important, rendez-vous mercredi 31 janvier avec Patrick Mbeko. On aura la chance d'accueillir Patrick Mbeko parmi nous pour parler du Congo et du génocide en cours au Nord-Kivu, dont personne ne parle en France, en tout cas très peu de chaînes. Les médias mainstream n'en parlent même pas. C'est le désert complet. Et on a la chance d'avoir l'expert en géopolitique, Patrick Mbeko, qui connaît bien son sujet. Et on va parler de la géopolitique des Grands Lacs. Et Dieu sait que cette région est d'une extrême importance pour le monde. Voilà, chers amis, donc rendez-vous mercredi 31 avec Patrick Mbeko. On parlera de l'influence également du Rwanda et toutes les causes et les conséquences de ce conflit en RDC Congo. Merci à vous et on vous dit à très bientôt, chers amis.